Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour. Non, moi, c'est Jean-René, de Telochon. Telochon est entré à la canne aujourd'hui, c'est dimanche, mais on peut regarder là, chaque dimanche. Et puis, nous sommes capables de suivre Telochon tout dans YouTube. Nous sommes capables de suivre YouTube avec dans, et WhatsApp pour nous. On se dit que nous tous demandons où, on regarde où est Telochon, votre petit commentaire, nous apprécions ça en pile. Claude. Jean-René, merci. Et non, moi, c'est Claude Jean-Jacques pour Telochon. Et comme toujours dit, on prend un petit chaise-bas, Galil, Chita, Galil, tout l'autre monde. Ponti du vin, ponti de l'eau, ponti café, ponti thé, Telochon entre la carreau avec des sujets intéressants, invités intéressants. Et n'a côté, bon genre d'informations pour vous sur ce qui a passé dans la communauté ou bien ce qui est passé dans la communauté. Quand tu cherches Bauchita, suivez Telochon. Claude, nous avons un programme chargé aujourd'hui parce que vous connaissez un grand événement qui est passé dans la communauté. Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons recevoir un invité spécial. Bien spécial pour nous. Et je crois que la plus spéciale pour tout l'autre, c'est pour qui ça que là. Et bon, son invitation que lui vient faire nous, il est déplacé personnellement pour lui faire cette invitation. Il n'est pas mon boy ici. Hein? Mais comme l'émission ça, nous gardons tout partout, New York, New Jersey, Connecticut. Donc, nous capables, peut-être nous capables de prendre un livre. On a pu recevoir M. Leslie Thomas, qui sont membres organisateurs dans le mouvement et mémorial là, qui a fait Brooklyn. Ouais? C'est ça. Ok. Je vais demander à M. Thomas, est-ce qu'on peut parler de mouvement un petit peu? Merci. Je salue Thomas. Thomas. Je salue Claude. Et son plaisir, justement, de parler avec nous. Je salue tous les téléspectateurs, justement, qui ont regardé Telochon. Et son plaisir, de parler avec nous. Et je dis, justement, pour nous partager avec nous information qui a un rapport avec la communauté haïtienne, qui a vu dans Tri-State Area. Nous te prenons information ça de Denise qui connaît Denise Queen en Connecticut. Bon, c'est lui qui était passé son agent là-bas, non? Et puis bon, nous te dit bon, ok, nous t'as bien content de rencontrer avec vous. Et puis au même tout le un projet pour te monter bon ici, pour te partager information par mon bon ici, parce que c'est ça que nous allons faire. D'après gens que moi ouais programme en balancé. Son bagage, je pense qu'il a intéressé tout le monde. Mais est-ce que, indépendamment de nos bagages, est-ce que c'est haïtien seulement ou bien pour tout le monde qui avait participé, qui a participé? Bon, et encore une fois, je dis non et merci parce que l'activité que vous avez faite là est une activité justement qui a un rapport avec la communauté haïtienne, justement qui a vu dans Tri-State Area, New York, New Jersey avec Connecticut. Maintenant, nous connaissons COVID-19 là. Et dans les États-Unis, il y a environ plus de 600 000 personnes qui mourent. Et parmi eux, nous avons plus de compatriotes haïtiens qui mourent dans le COVID-19. Là. Nous avons toutes couches. Nous avons docteurs, nous avons infirmières, nous avons pasteurs, nous avons prêtres, pour nous citer ça seulement, qui passent dans le COVID-19. Et à cause de la distance sociale qui a gagné, et enterrement, en pile dans le monde, les gens ne sont pas de chance pour que nous bon enterrement. Il y a des gens même qui mourent dans le COVID-19, il y a des amis qui ne connaissent pas si ils mourent. À cause de pays, son pays qui était fermé. Et dans ce sens-là, nous trouvons que nécessaire justement pour nous organiser un service mémorial. C'est comme ça qu'il y a une organisation qui est le Haitian Leadership Forum, qui travaille dans Tri-State Area, qui met ensemble avec plusieurs autres organisations, qui dit il est bon pour organiser un service mémorial dans la mémoire. Tous les compatriotes qui mourent dans le COVID-19. Okay. C'est comme ça que l'idée a sorti. Et nous avons une date qui choisit. La place est 28 mai 2021 dans la cour Brooklyn, downtown Brooklyn. C'est là justement qu'on a organisé le Memorial Service. Là. Merci un peu pour l'information que partager dans Connecticut. Et nous espérons que les téléspectateurs qui sont là, nous avons fait des déplacements pour nous aller. Et participer dans le Memorial Service. Là. Et comme on dit dans l'intervention, il y a un père, un pasteur, un infirmier qui mourit. Est-ce que dans le Memorial Service, il y a un père, un pasteur tout qui a présenté et dit un message pour ta fait, on va à côté de toute religion représenter? Définitivement, c'est une belle question. C'est son service qui a fait n'est pas limité. Parce que les gens qui mourent, c'est haïtien et il y a toute appartenance qui mourent dans le COVID.
appartenance politique, appartenance religieuse, qui tombait dans le COVID-là et ça fait son service qu'a fait. C'est pas un service exclusif, mais son service inclusif. Tout mon invité est bien content. Marie-Denise, et justement, et comme, comme on dit, son queen dans le Connecticut, je ne sais pas si dans le Connecticut, mais son queen, et qui était justement, et une connaissance d'activité, et qui dit que mon programme télévision, bon, ici, là, qui vraiment touche un peu l'haïtien, et comme service qu'a fait là, l'a fait pour haïtien, tout qui mourit dans le Connecticut, et bien, bien content, invitation à là, pour invitation à joindre tout haïtien qui a regardé le programme ça, qui a vécu dans le Connecticut. Pour venir justement faire sentir présence et vendredi 28 mai à 11h du matin, service à fête dans Downtown Brooklyn, dans Beau Wall. Downtown Brooklyn, son côté qui est très connu. Et vous descendez Brooklyn, Downtown et Brooklyn Beau Wall, c'est là beau président, c'est là office lié. Et mais c'est là service à fête. Et bien, et tout Jean Dylan a gagné Monseigneur Guy Sansarik, qui est très connu. Et dans le secteur ça, c'est l'homme qui a main speaker et journée. N'a bien prêtre, n'a bien pasteur, n'a bien prêtre, n'a bien docteur justement qui prend la parole dans zone côté sorti en façon pour faire sentir et impact Covid l'a gagné sur monde ça qui a vécu dans zone là que Covid l'a là avec eux. Mais est-ce que pour journée ça y a permettre nous pour monde qui a venu à ce mémorial là pour porter des fleurs, pour porter que camé des fleurs, pour honorer et nous ça qui passé à l'honneur éternel. Non, et pas gagné possibilité pour moun porter fleurs parce que c'est pas nos cimetières, mais c'est nos places publiques. Mais si monde qui a sur Connecticut qui a venu justement participer dans ce service ça, il est capable venir avec photo. Et soit madame yo, Mario, petit yo zanmi yo qui mouri dans Covid là, vous capable venir avec photo justement pour exposer photo mon soit qui mouri dans Covid là. Mais fleur, il pas là pour ça. C'est donc une préparation qu'a fait pour photo ça yo capable. Définitivement et toute préparation déjà en cours. N'a bien monde qui a performé, n'a bien chorale justement qui a venir jouer et ça n'a pas ces présences compatriotes haïtiens qui vivent dans Connecticut qui regardent choses ça. Et présence nous importe en pile parce que pour faire sentir que nous pas pour contre nous et frein actionneur qui mourit pas de temps joint un bon enterrement et mais son façon pour faire connait que était important pour nous songer yo et ça fait service à fête 28 mai qui vient là. OK, est-ce que capable nous en détail un petit programme pour jeunesse à la commence à 11h du matin, on dit pas vrai? OK. Programme n'a commencé à 11h du matin, 11h du matin l'a commencé et définitivement a bien pourquoi pour ouvrir service n'a bien prière. Et puis il y a des performances, et puis il y a des discours. Généralement, genre de service, ça, c'est comme ça vous faites. Okay. Et c'est ça qui vient dans la programmation. Okay. Okay. Ça veut dire que la durée est à peu près 2 heures de temps. Environ 2 heures de temps. Bon, et nous comprenons que nous avons une quantité d'informations qui est importante. Et bien content qu'on adresse avec la communauté haïtienne qui est dans la Connecticut pour faire déplacement et ou bah information sur et programmation et kounye la et après durée et cérémonie après bah ça est-ce qu'on l'autre étape est-ce organisation prévoit faire de l'autre activité soit de sensibilisation d'éducation sur question COVID-19? Définitivement et son travail continuel qu'a fait parce que communauté nous a besoin d'information sur COVID-19 là et donc on est censé pouvoir et ça y est et puis tout et nous gain docteur autour gain docteur qui prend la parole et nous connaît grand pile réticence là quand pile monde concernant vaccin. Et on connaît à cause des réseaux sociaux grand pile mise information de yoa et grand pile monde justement qui pensait et vaccin des pour vaccin gouvernement gain l'autre bagarre qui des vaccin grand pile parole qui des yoa. Maintenant nous mêmes qui lucide nous mêmes qui gain connaissance dans tout dans domaine yo qui éduquer qui informer moun yo c'est pour nous faire moun yo connaître que li important pour moun yo vacciner parce que vaccin n'a son bagage que n'a prend depuis nous petit moun n'a prend vaccin et c'est science là qui travaille et nous pays a commencé à ouvrir et pour le pays à ouvrir naturellement faut moun yo vacciner et dans sens ça nous croit que li important question qu'on pote proposer a et moi même vacciné moi prend Moderna moi prend tout deux doses yo. Et bien, moi, ça n'a pas vaccin. Président prend vaccin, sénateur prend vaccin, député prend vaccin, officiel prend vaccin.
Maintenant, si on prend vaccin, même bon, pour que ça moi-même pas prendre. Bon, bon. Par contre, qui raison faire mon réviser pour vaccin. Mais quand même, n'a bien docteur cap là justement qui pour faire éducation communauté haïtienne là pour faire connaître que l'important justement pour vacciner parce qu'on avec les réseaux sociaux, grand pile mise information qui dehors. Et en pile fois, il y a des monde qui croit dans toute bagarre que vous regardez dans sur YouTube ou bien sur WhatsApp, yo pressé quoi là-dedans. Et en pile fois, pas toute bagarre qu'on entendait et pas toute bagarre qu'on ouais pour quoi là-dedans. Faut qu'on vérifie une série d'informations avant quoi là-dedans. Moi, je vais entrer trop en détail dans l'aspect conversation là avec pour les conversations à diriger nous là. Mais Leslie, il faut qu'on reconnaisse que antécédents, ils sont toujours là. Ils sont toujours à relayer, nous faire nous changer ce qui est passé. Tout ce qui dit, tout ce qui dit avant. Donc, tout le monde, c'est le monde qui fait mon antigène réticent qui fait que ils campent loin. Définitivement, et c'est ça que fait nous, et à cause de raison ça, où je n'ai plus l'officiel, justement, paraître pour faire sentir que li ok pour nous vacciner. maintenant je dis information à la porte de tout le monde. On téléphone smartphone qui dans mon là, n'importe information qu'on a besoin, on a besoin ni. Mais le programme oui, le programme mais nous tout programmé, oui, même manger à manger. C'est pas vaccin seulement. Maintenant Covid là tout le monde. Qui soit vle. Covid là bon, Covid là c'est pas qui réel. Covid là n'a vivre là. Les monde des monde qui prend maladie hein, et des monde tout les touyer maintenant yo dit que sous prend vaccin hein, vaccin pas empêche ou prend Covid mais ou pas mourir et fait pour ta faire sous ou pas faire maintenant ou grand choix yo pas imposer monde non maintenant grand choix bien quand on mentionne ça l'état pas sans l'état pas imposé là avec personne monde c'est et pas la loi comme si ou doit prendre vaccin mais yo encourager monde justement pour vacciner. Bien qu'on a mentionné que le vaccin n'a pas empêché chaud pour vous. Il n'a pas empêché chaud pour vous, mais pas tout. Il y a plusieurs cas comme ça déjà que mon avis pour un vaccin, deux semaines après, il y a eu un Covid. C'est ça, scientifique, même fait connaître. Ce n'est pas un bagage qui m'a inventé. Ou prend vaccin, il n'a pas empêché chaud pour Covid. Mais si Covid là, si vous prenez Covid, il n'a pas tout. Et fait pour Covid là, tu as fait sous sans vaccin, avec vaccin, il n'a pas fait. Maintenant, c'est avantage à qui gagne un vaccin. Maintenant, moi-même, pour un vaccin depuis 3 mois, à part ma parle avec nous là, qu'est-ce que ça me gagne? Ma forme, ma performé, me voyager, me vacciner. Vous avez un passeport Covid? Oui, je gagne dans le téléphone, me vacciner. Par exemple, je ne vais pas l'âge. Pour que nous ne soyons plus près de bon Dieu que la mort, que la vie. Combien de temps nous avons été pour nous vivre là encore? Ou bien ça aurait été pour vivre là et pour gérer. Il y a une raison pour gérer, il faut vacciner. Bon, vaccins sont sciences, c'est médical. Mais il faut faire recherche, il y a un laboratoire. Il faut dire, mais ça cap sorti, mais ça cap bon maintenant. Si vous voulez prendre, mais vous ne voulez pas. Naturellement, ce n'est pas pour nos systèmes dictatorial comme il y a force au prendre, mais il y a encouragé. Les gens pour vacciner, moi-même, tout le monde a regardé le programme en télé show. Vacciné depuis 3 mois. Ok, nous aussi, le centre interview. Donc, moi-même, Junior Barre m'a dit, et je pense bien que moi, j'ai fait, li, c'est vulgarisation information sous effet secondaire vaccin. Donc, c'est une raison de faire un peu de monde antigen, rien qu'à quoi, parce que yo pas sûr, yo pas grand énorme information sous effet secondaire. Ok, mais je pense bon. Moi a fait grand pile information de a cap sorti si d'ici a mettre de sur effet secondaire soit avantage et vaccin gain bon ben c'est son travail important et il est supposé continuer faire définitivement et n'importe monde qui a regardé programme là nous même qui là nous gain docteur nous non là le docteur chaque 6 mois ben chaque 1 an ça dépend de gens santé nous permettre nous le cas docteur son privilège rien vous parler docteur pour questionner docteur. Et ça, vaccin, pour qui raison? Qui ça des vaccins? Est-ce que le vaccin est safe? On peut poser question à le docteur. Non? Maintenant, moi-même, son témoignage, mal qu'à docteur, monsieur, c'est pas haïtien. L'homme arrivé et puis, il a eu une réticence pour prendre le vaccin. Et bien, monsieur dit, vous vaccinez déjà? Il dit, non. Monsieur dit, what's wrong with you, man? Monsieur dit, you look like a very intelligent man. Why don't you take... Monsieur dit, à tout le monde. Je ne suis pas tombé de dos déjà.
Et puis, je suis là avec moi, et puis je parle à madame moi. Et puis, je dis, mais, why not take it? Et puis, je me relais, là, ça a un pile problème pour moi, je viens de rendez-vous. Et puis, je me relais, même là, je me dis, d'accord, et puis, je vais mettre un rendez-vous. Je me dis, là, je vais 3 mois de vivre vacciné. Ok, ok. Mais t'as pour information à question, non? Professionnels, nous, yo, qui sont infirmières dans la communauté haïtienne, qui sont docteurs, parce que c'est une branche. La médecine son branche que mon infirmière docteur c'est science son science que lié maintenant mon yo apprendre yo étudier nous ca poser question parce que nous dans télévision n'a pas former mon n'a pas éduquer mon yo nous avons responsabilité pour nous gain bonne information pour nous ba mon yo surtout nous connons communauté justement qui croit dans n'importe bagage que entendez quoi là-dedans sans yo ba même vérifier ça attendre là. Maintenant, c'est responsabilité pour nous prendre bonne information dans bon timamite pour nous éduquer les téléspectateurs qui regardent le programme. On retourne avec les mémorials là. Haitian Leader, comment dit-on? Haitian Leadership Forum. Haitian Leadership Forum. Haitian Leadership Forum. HLF, oui. HLF. Ok. Qui genre de groupe est-ce que c'est un groupe C'est une organisation à but non lucratif. À politique? À politique, okay. C'est une série de têtes de pont dans le tri-state plan. Vous connaissez? Nous avons toujours fait organisation. Qui met ensemble, qui met sous pied organisation ça. Nous avons une cellule qui est dans Rockland County, Spring Valley, nous avons New Jersey, nous avons Brooklyn. Sans doute, nous voyons dans Connecticut, dans Stratford. Nous espérons ça. Parce que le travail qu'on fait là, c'est le travail nous. Ce travail communautaire, c'est informer, c'est éduquer la communauté noire. Je ne sais pas si je vais battre bravo pour nous. Parce que nous avons battre bravo pour nous. Nous avons une communauté justement qui a besoin d'informations. Et toutes les fois, nous jouons ensemble pour informer la communauté noire. Dans bon timamite, nous battre bravo pour nous. C'est une raison que le programme pas noir, c'est que nous ne pouvons pas battre loin, mais le programme pas noir. C'est mot ça qui 90% c'est pour la chambre du côté. On dit va encore capable voir vidéo dans bah non on c'est information là c'est. Peuple a besoin d'éduquer. Un compatriote nous besoin d'information. Yo besoin d'information sous zone côté orité qui monde qui représenter yo. Yo paye taxes dans pays. C'est l'argent qui paye militaire, qui paye police, qui paye officiel. Yo gain droit dans pays. Yo besoin qu'on bagage ça yo parce que en pile fois monde connaît dans pays, l'a travaille et puis monde passif. Rien pas dit rien, c'est rôle nous justement pour nous aider. Mais ça c'est ça Haitian Leadership Forum a fait et dans zone côté nous hier. Bon, on a dit merci en fait de passer en bâtonnel là. Merci en bâtonnel. On va sur miel là. Nous espérons après encore une prochaine fois et nous espérons que téléspectateurs ou monde connecté principalement na descend à participer pour t'écoute par nous que j'ai laissé dit. Une photo zami nous famille nous qui mourir dans covid là nous ca participer dans mémorial là. Oui, alors c'est moi pour remercier, m'a remercier Marie Denise et puis tous les spectateurs qui ont regardé Taylor Show. Présence nous important 28 mai à 11h du matin dans Brooklyn. À 11h du matin, nous invités et venir dans le service mémorial. Ça vient à gapo bleu et rouge, nous. Parce que par l'élection, là, élection magistrale dans New York, élection council, beau président, etc. Présence, nous, a fait politiciens sentir que nous, là, malgré tout problème nous avons dans le pays, nous, là, nous avons tout frein action qui nous connaît. Marie-Denise Abdou, merci, qui permet que nous, là, soyons, qui permet que nous connaissions justement invités. Dans le mémorial, l'a fait 28 mai 2011 là, à 11h du matin. Merci, oui, monsieur. Merci. Merci. Nous avons parlé, mon cher. Vous vaccinez. Mesdames, messieurs, pour un bout, vous allez nous avec le soutien en programmation. À tout à l'heure. Bon, j'aime dire là que nous avons retourné pour Rest Programmation. Rest Programmation, c'est un pile activité qui est dans la communauté. Et nous avons une interview avec l'écrivain
Monsieur Lalanne, nous avons pris Serge Lalanne pour nous venir avec les pour vous. Et puis ensuite, nous avons en fait drapeau et qui était réellement un succès. Claude, comme tu as sauté, même. Bon, et comme on a annoncé, on a commencé avec le premier Baoudia et nous avons le show d'aller nous 20 signatures en présentation. On book de M. Serge Lalanne. Qui sont les livres intéressants? Regardez le queue de pied. Oui. En créole, monsieur dit en français, gardez Kenep là. Gardez pied Kenep là. Qui retrace l'histoire, la vie monsieur. Et puis, monsieur tire une leçon morale. Parce que papa était toujours à balle. Parole ça. Toujours lever tête en l'air, gardez pied Kenep là. Bon, son livre intéressant. Et nous t'a intéressé où? Oui, avec Pasteur Lalanne, et nous avons mis le numéro pour, si tu as besoin de livre ça, ou qu'à order livre ça, acheter livre ça. C'est Pasteur Lalanne qui est responsable de distribution dans Connecticut. Dans Connecticut, c'est Pasteur Lalanne qui est responsable de distribution. Et puis, pour l'activité 18 mai. 18 mai, et franchement, moi-même, Claude, je pense que c'était ton succès. Et bon, je ne peux pas dire qui j'aime d'accord dire ça. Mais mon petit j'ai exigé, les bien passé. Les bien passé, je ne peux pas dire son succès. Non, vous avez quand même dit son succès, Claude. Je ne peux pas dire ça. Ça, quand je dis son succès, c'est parce que moi-même, personnellement, je ne peux pas réussir l'event ça du tout. Jean que le passé là. Bon. Moi-même. Je ne peux pas faire quand même, mais je ne peux pas dire comme ça. Moi-même, je ne pensé que l'étape bien passé. Okay. Ça, c'était Vision PAM à travers toutes les réunions. Mais bien que. Nous travaillons. Nous travaillons, nous connaissons bien passé. Quand là, il y a des choses qui arrivent. Par exemple, l'intervention sénateur. Yes. Pensez, c'est son punch. Son punch important pour la communauté haïtienne. Je dis punch, pas non sens négatif. Pour montrer que il y a l'autre monde qui est intéressé à l'histoire d'Haïti avec les questions haïtiennes. Et monsieur très informé. Pourquoi ça passe, Claude? Ouais, petit mot sur ça. Ça a senti mon son après. On va le couper. Pour contre lui, pour nous être capable de faire le vaillant. Pour tout le monde capable de connaître l'histoire ça. Position, monsieur. Position, monsieur. Où est-ce qu'on est qui? Très politique. Bon, très informé tout sous question et sous question Haïtia et sous question histoire indépendance Haïti. Exactement. Bon, et ça me pense que c'est un bail important. Et chapeau bas pour Jéralemi qui était Marchon. Qui était Grand Marchon, qui joue un rôle important. Jéralemi, pas seulement dans nos comités, mais dans nos PAM tout, amis moi. Et Jean-René. Et puis, Guy Boussicot qui prend l'initiative. Guy Boussicot qui prend l'initiative là. Mm-hmm. Et nous remercions grandement. Et mon cher, ou marqué joie. Yes. Gérald Emi marqué joie. Yeah, parce que l'homme garde vraiment ça. C'est une innovation liée dans la question de. Et année prochaine, il faut le tourner. Par exemple, bon, quel monde qui fait ça, c'est pour le faire. Année prochaine, il faut le tourner. Et puis. Intervention sénateur, proclamation, tout. Tout bagaille était bien passé. Meilleur gagné, et tout bagaille était bien passé. Et puis l'autre bagaille, que, bon, l'autre bagaille après que nous avons montré cette drapeau, nous avons une interview Pierre d'Haïti a fait avec Chanel 12, là. La blague, le bas, tout. Mais que chou, ouvre les oreilles pour t'entendre. Et gardez l'émission, ça va bien. Où est nous? Pas faire politique dans l'émission, ça je dis. C'est pour nous porter toute information de passer dans la communauté à Bao. Et Jean-René, bon, l'important pour nous finir et parler de tout ce qui a passé, et nous sommes tristes dans la communauté, et nous pensons que. Pour nous présenter condoléances à la famille d'Ores et Gabriel qui Gabo perdit. Gabé Diazo qui perdit Mamani et qui c'est un membre de la famille d'Ores tout. Yeah. Nous présenter condoléances nous à toutes les familles ça. Que Kodimounio nous réconforter avec
qui j'aime d'accord dit ça avec l'espoir qu'on joue na rencontré na rencontré dans ciel là nous tout gain pour nous nous tout gain pour nous passer par là mais quand même nous connaissons des coups durs l'opé du moment l'opé du être cher en famille. Donc c'est là on a campé avec mise en contexte ça on a break et bon on a pas présenté et il vient de ça que on est là et puis on a retourné tout à l'heure. Bon, madame, monsieur, Jean, que nous étions annoncés là, nous retournons. Bon, on a dit que bon, nous avons un événement passé dans la communauté dans la semaine ça, là, ça passé là. Côté que nous avons un écrivain de marque qui a un plume extraordinaire, que nous avons présenté, on a fait une vente de signature dans la communauté et dans l'église et pasteur Lalanne. Dans la communauté, dans 110 Clermont Avenue. Donc, nous avons un écrivain avec nous, son honneur pour nous recevoir. Comme nous disons que le livre que l'on écrit a relé le queue de pied. Donc, nous avons recevoir invité et puis nous allons poser deux ou trois questions pour nous. Pour le nous, on va dire pour faire un cadeau livre là, en parlant, non? Mais là, on a tiré des sacs dans le livre là. Monsieur Lalanne, bonjour René, ça va? Ça va bien. Bon, et. Serge, Carlo Serge. Oui, définitivement, c'est mon nom. Ok, Serge, et, mon cher, là que moi, ouais, couverture un livre là, moi, j'aime qu'on essaie comme ça, connaître qu'on est grandi. Bah, j'aime qu'on baille comme ça. Moi, j'ai cru que moi, connaître. Et bah, ça, la sauce, qui va y avoir la sauce, sinon, qui compose. Poche, fenêtre, bah, ça. Bon, franchement, je n'ai pas gardé pour l'engagement, je vais apprendre des choses, parce que je ne suis pas comme ça. Bon, on a des choses que je vois qui viennent dans le livre. Je vois que dans les commentaires à la fin de l'ouvrage, il y a un paquet de commentaires. Et les commentaires, bon, ils sont plus élogieux que l'autre. Donc, et moi, c'est de non, c'est de monde qui réellement monde qui est important dans. Dans la communauté, là, pas la communauté, mais dans la communauté haïtienne, là, on voit que ça me dit tout là, dans l'élite littéraire haïtienne, de Mireille Benadel, il y a Adam qui vaut, il y a un mini qui écrit un commentaire sur le livre là. Qui est-ce que vous sentiez que un bouquin comme ça que vous présentez, et puis vous avez tout appuyé ça, parmi lesquels on sait le grand monde qui vient, il y a même. Il consacre les littératures. Qui ont pour sentir? Est-ce que l'homme gardé ou tout à l'heure, parce que nous avons parlé tout à l'heure, nous sommes extrêmement humble. Mais on va sentir aussi un secret quand même, on va sentir you all that. Mon cher, la préface du livre, là, les professeurs Jean-Philippe qui fait la préface là, dit comment moi sont monde qui humble, pour qu'on ait toute la profondeur de ma personnalité, faut approcher, bien que moi ouvrir à tout le monde, c'est ça qu'il y a annoncé. Cependant, moi encore plus humble. Lorsque nous avons pile monde qui fait des commentaires, des gens de tous bords, des gens de gens lettrés, littéraires, des professeurs, des médecins, des docteurs, ils ont fait en pile éloge du livre. Pas de penser que le tapon m'en plaît aussi, aussi grand comme ça. Mais cependant, ils ont écrivain. C'est souvent son monde qui a souffert dans son cœur. Et puis, qui exprimait, qui éclatait en un mot. Avec un chanteur. Voilà, qui l'y éclatait. Il dit des choses qui sortent de lui-même. Et bien, c'est les livres. Si vous regardez dans la pochette livre là, ou après ça, peut-être qu'il y a un peu de monde qui est nostalgique seulement, en voyant seulement pochette là. Si vous avez un petit contenu livre. Non, mais oui, mais pas bien trop, parce qu'il faut. Évidemment. Il faut que nous supportions. Ok. Gon pied, les pieds dans grand la cour que nous télévis dans le fond de blanc, gon pied qui n'est. Cependant, après cyclone Flora, on sort de disette. On n'a pas de produit, c'était soleil, etc. Mais on point qui est censé l'auteur principal, la personnalité principale du livre. Passe Pépé Non, Passe Pépé, ce n'est pas par moi-même. C'est en Cléo. Évidemment, qui part déjà camper pour le travail. Okay. Il travaille bien qu'il a perdu toute énergie, chaque année, c'est le même bagage. Et puis, il y a une année, il fait progrès.
et puis tellement content, li comme ta capable halluciner. Et puis il vit dit non qui te réunit sous les kenepiers, regardez le kenepier pour montrer non tout produit de son travail. Mm-hmm. C'est Côte Bayou. Okay. Donc c'est ça que porte, moi apporte ça. C'est toujours un erreur, parce que moi c'est un kenepier là. C'est Côte Maillé qu'elle mettait sous Kenepla. Dans l'époque, les paysans, particulièrement les gens qui étaient produits maillés, ils étaient exposés dans un code, sur un pied bois. Et bien, ils ont utilisé Kenepia pour les mettre maillés. C'est de là qu'est venu le titre du livre, Regardez le Kenepia. C'est lui qui a dit ça. Regardez le Kenepia. C'est une grande leçon là. Évidemment. C'est une grande leçon là. Parce qu'il connaît à travers le livre là, petite là, grand succès. Ça y a un commentaire. Moi, j'ai un autre qui va dire que la bien content à l'enfant de Blanc, côté livre là, censé souffler pour visiter toute famille, ça, d'ailleurs pour lui-même, qui ont une famille unie. C'est déjà l'essentiel. Il y a un pile commentaire, un pile leçon. Et puis, dans la dernière partie du livre là, c'est un livre poétique. Il y a un pile et poème qui m'écrit, qui parle de cœur, moi, qui parle de sentiments, comment je me sentis, moi, pour pays, moi, que j'en lis là. Moi, je n'ai pas fait politique, d'ailleurs, ce n'est pas secteur, moi, mais des fois, moi, touché les moins situations comme ça. Il y a un pile poème là-dedans aussi qui parle des situations. Il y a un propos, en fait, mentionné là, qui attire l'attention, mais pas quelqu'un qui m'a fait politique, tout le monde fait politique. Définitivement, non, la politique est universelle. Mais j'ai l'impression de nos jours, malheureusement, il y a un peu de monde qui emploie une politique destructive pour les reconstruire. Un peu de mots qui sont capables de dire concernant la situation actuelle qu'on a en Haïti. La situation actuelle en Haïti est dramatique. La raison, c'est que nous autres Haïtiens n'ont pas mis tête nous ensemble, n'ont pas supporté une l'autre pour nous aller dans la même direction. À partir du moment que vous parlez dans la même direction, peut-être avec même les gens de la famille, qui n'ont même toi avec vous, et bien c'est des blousailles. Nous n'ont pas capable de bon succès. Mais le livre là dit nous tout ça, comment on fait pour nous réussir. Et qui, est-ce qu'on a un espoir que le bail a changé en Haïti dans longtemps et pas très lointain? Ça prend du temps, parce que pour que souvent on dit pays a changé, mais pour pays, le pays en lui-même, le pays est innocent. Mais pour pays a changé, c'est nous-mêmes pour nous changer dans notre mentalité de peuple. Une fois que nous changeons comme mentalité de peuple, lorsque nous avons intérêt au intérêt, lorsque nous avons intérêt communautaire que nous partagé, et bien dans ce cas-là, nous avons fait progrès. Gagnez Alexandre Dumas fils qui dit dans les trois mousquetaires, il dit un pour un et tous pour un. Nous avons l'unité. C'est là que nous allons comprendre le message de ce poète, de cet écrivain. Un pour tous et tous pour un, parlant des trois mousquetaires. Je pense que les Haïtiens ont commencé à comprendre ça pour nous réunir ensemble en bas d'un seul tunnel. Et puis ensemble, nous avons gardé les pieds. Malheureusement, il y a un code ça a commencé là, il y a pratiqué en Haïti, mais c'est dans mauvais bois. C'est vrai. Voilà, ça c'est terrible. C'est terrible. Comment Haïti uni, les Haïtiens, souvent majorité, ils ont uni dans la destruction, dans le mal. Moi-même, après le tremblement de terre, soit en disant en passant, moi, j'ai travaillé en Haïti, moi, j'ai baillé tête, moi, volontaire. Et d'ailleurs, j'ai passé 3 ans en Haïti, que ces 3 ans positifs qui permettent moi de comprendre Haïti. Haïti besoin en pile. Et pas jamais regrette parce que nous étions un volontaire pendant 3 ans dans les moments difficiles. Mais pas aussi, pas aussi dégradant, j'en dis là. Mais par contre, ça permet à Haïti d'aller plusieurs côtés en Haïti, de Port-de-Paix à Port-au-Prince, de Port-au-Prince à Okaï, sans qu'on en pile bagarre à travers Haïti. Quel est le niveau pour Haïti? Mal en Haïti, ça doit être 3 ans, 3 mois de ça. Bah oui. Évidemment. Yeah. 3 mois de ça? 3 mois de ça. Malé, juste pour être capable aider le monde dans leur conception. Wow. C'est job pam. Aider au changer mentalité. Wow. Et à travers les Blancs, sont peu, dans fond des Blancs, Malé Akin, Malé Vieux-Boudakin, Malé La Colline, wow. Ça permet à mon yo comprendre la responsabilité en tant que citoyen de mon pays. Mais en tant que témoin oculaire, dis-moi en quelques mots qui y a encore où situation allée vraiment parce que quand il parle en pile qui fait dans la presse côté que
yo compliqué la yo plus ou bien bon gen moun ki ba yo gen supposé ba yo bien ou bien ça tout bon gouvernement yo ba li que ba yo pas trop mal ça qui dans opposition je dis ba pas bon du tout mais ou même capable prendre observation avec en pile confiance fais-moi confiance OK parce que je ne suis pas fait politique. Exactement. Destructive. Mm-hmm. Ma politique, c'est aider les autres à transformer vie. Mm-hmm. Mais, problème là, lorsque ces groupes destructeurs qui plus en faveur destructeur, destruction, qui ont bon racontant, qui sont capables de montrer ça qui pas bon, ça qui pas bon, ça qui pas bon. Mm-hmm. Mais Haïti, nous avons une vision de cette perle des Antilles jusqu'à date. Nous avons allé au centre de notre paradis. Bien que destruction à l'époque, tant que fond des blancs, où est-ce que très boisé, les verdure très accueillant, zone très accueillante, mais mon lieu aussi très accueillant. C'est ça qui est important. Le nom Chita, d'ailleurs, le nom Chita en bas, Kenepia, moi songer enfance, moi. Voilà, tout ça là-dedans. Mais tu regardes, l'eau de Saint-Port-au-Prince, c'est ça. L'eau de Saint-Port-au-Prince, c'est la tête chahia. On est capable de dire que c'est l'enfer sur terre. Okay. Et d'ailleurs, moi, je ne comprends pas comment on nous fait vivre dans un espace comme ça. C'est malheureux. Mais c'est des gens, c'est, comme on dit déjà, c'est mentalité à quoi changer. Comment on est capable de changer mentalité? C'est à travers l'école. Si pas bon l'école évidemment et ben pas qu'à changer c'est l'école pour ta modifier curriculum non qui permet timonio prendre conscience à vivre ensemble le vivre ensemble c'est voir l'intérêt de l'autre dans moi ou intérêt dans moi par exemple moi pas non pas très connaître dans bien avant mais à travers livre là ouais un point positif qui permet communauté à capable bénéficier et puis automatiquement on prend contact là. C'est son bagage extraordinaire qui fait là. Mm-hmm. Mais le tableau fait dans tout le pays. Dans son ensemble. Mm-hmm. Dernier mot, bon, on dit à la communauté, à téléspectateurs, qui est bien que le capable d'accueillir l'IMSAR, par témoin, par téléphone, bien sûr, capable de checker avec quelques pasteurs dans la communauté qui sont capables de faire des positions à caillou, ou capable de venir. Évidemment, préalablement, parce que tu as acheté 25. Pasteur Lalanne. Évidemment, assurément, il fait cadeau un peu partout. Normalement, la meilleure façon pour le monde qui moi, c'est à travers le téléphone. Moi, parce qu'en même temps, il y a un email, l'adresse, on la donne. Téléphone, moi, c'est le 305-338-6530. On peut répéter le mot, s'il te plaît. 305-338-6530. Ah ouais. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça que nous avons dit. Vous avez dit vous avez dit un personnage important qui est Floride. Ma vie Floride, c'est là ma pointée. Parce que quand on entend des bougies sorties, il y a 3 mois sur Haïti. Un monde qui a 3 mois sur Haïti, vous pouvez dire ça, mon cher, ou son vaillant. Son garçon voyant. Bon, des fois, il faut se résigner. Ou son garçon voyant, oui. Donc nous devons passer à M. Lalanne. Merci beaucoup, Bagadou, parce que vous êtes tellement petit, Bagadou, contre qui vous nous choisissez. Le plaisir est partagé, ça fait plaisir. Laisse-moi dire que tu travailles aussi. Ça contacte là beaucoup plus rapproché. Ça fait plaisir de te prendre contact et de partager ensemble. Le plaisir. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Madame, Monsieur Nagoné, tout à l'heure. Vous mettez à boire.
Haitian Americans, we gather here to commemorate the Haitian flag. And that is what we're doing today. We come together as a unity. Many organizations, many groups come together to create this, to make this a stronger event. And this will go forth as a stronger community. The more we gather together like this, the more we have a stronger community. And so today we have many officials with us today. Our annual event here started back in 1993 with then Mayor Ganem and now Mayor Ganem as well. And he's here with us today. We also are accompanied today with State Senator Dennis Bradley. He's here with us today. And so, and many other dignitaries. And the committee, the group that puts this together, it's a nice makeup. We have Anakawa has here. And Kathleen Fong is represented here, which is the woman who designed the flag. The Haitian flag. Raise your hand. Kathleen Fong. Her real name is Pascal, but we call her Kathleen Fong because she is behind the whole concept of designing the flag. And also we have Mr. The Emperor Dessalines is with us here today. Sarah, raise your hand so we can recognize who you are. That's Emperor Dessalines. And without further ado, we'll start this event. This is going to be a peaceful event. And that we gather here seeking support for Haiti. We're seeking support for Haiti. We'd like for Congress, the Senate of the United States, to come forth and say, yes, we need to come together to help that country. We need our children to have a better thought, a better idea, a positive idea of who they are and what they are. And so it starts with me, starts with you. And so we are asking our state representative to do the same thing as well. As well as asking the city of Bushwick, the city council and other members to do the same. Let's help us help Haiti today. Now, let's move to our next step. We will have an opening prayer with Reverend Shirley DeHaiti. Before she comes, I would like to share something with you. It's a bit emotional. She has a school in Haiti. Unfortunately, because of the situation in Haiti, she cannot travel to go visit the 35 students she has in that program in Haiti. And so it's very emotional for her and a lot of people who are doing events, organizations in Haiti. It's important. Without further ado, I ask Shirley DeHaiti to come forth for the opening prayer. Let us bow our head, please. On nous baisser tête, nous pour que nous allions devant bon Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne nous manque jamais dans la détresse. Papa, qui est dans le ciel là, le moment ça nous vient de fond, pour que nous réunions ensemble. Ça fait que nous réunions ensemble, c'est parce que nous avons un point commun pour que nous puissions venir nous commémorer drapeau nous. Le moment ça, pendant que nous avons commémoré, il y a une peine dans le cœur nous. Mais nous connaissons que puisqu'on dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, nous venons pour premièrement pour nous adresser. Nous levons Haïti devant, nous levons chaque monde qui vit en Haïti devant, qui traverse son moment difficile, et nous levons nous-mêmes qui réunis ensemble, que nous connaissons que ces pays nous pour nous participer. Bénis-nous, bénis pays, pour un bagage extraordinaire que nous ne pouvons jamais penser que nous devons faire. Father God, we gather here with one accord to say that you are God. God is our refuge and strength, a tested help in time of trouble. That's why we gather before you today as a unit. With everybody together, we say, God, you are the God of Haiti. We come before you, Lord, to celebrate your name and know that with your omnipotence, you can do something that only God can do. Bless everyone who gather here today. Bless our people in Haiti.
We ask you this in the name of Jesus. Amen. Now we would our maestro is not here yet, so we'll ask Dion. She's our singer. She's a diva, my diva. She's an awesome performer. She will sing the Haitian national anthem as Wes will assist us to raise the flag. Amen. Amen. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, fleurs de traîtres, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Say first before I present this proclamation that I greatly appreciate it, and I think we all greatly appreciate Pierre, your leadership and leadership of so many here representing the Haitian community here. And I didn't know, you've educated me today, I didn't know the challenges that were being faced in Haiti. Not being able to go back to your school, I mean, that's a symbol of how difficult it is. We have places around the world that are in strife. And I think we need to make sure that we, as you mentioned, have our government understand and respect the challenges that go on in Haiti and see how we can help them. I think that's so important. So you've awakened me with the information just by doing this today. When I woke up, I thought we were coming to a flag raising, which we did come to. But the way you've done it, I think, is just so... so strong and so powerful. So thank you. And with that, we want to present a proclamation from the city of Bridgeport. It says, whereas on May 18th, 2021, marks the 218th anniversary of the Haitian Flag Day. Haitian's first flag was sewn by Catherine Flan at the Congress. And whereas one of the primary symbols of Haitian freedom is the Haitian flags created by Archien, a town located outside Port-au-Prince on May 18th, 1803. Since then, May 18th has been observed as Haitian Flag Day, which represents a symbol of pride, unity, and individual liberty. And I'm going to read down a little further. And whereas
Haitian Deed is faced with multiple social, political, and economic challenges that seriously threaten the fabric of the nation. The past 12 months have been remarkable for the number of people kidnapped, ransomed, and killed. The insecurity has been the highest in the history of the nation. Also, the ongoing political deadlock paralyzes national institutions, if any left, hobble the economy, fuel chronic food insecurity, and worsens living conditions for more than 4 million Haitian citizens. Considering the above, the Haitian people have decided to commemorate the flag in a different way this year. The Haitian American community wants to use this day, May 18th, as an opportunity to send a strong signal to political leaders and friends of Haiti in the international community that enough is enough. Now, therefore, the Haitian American community commemorates this Haitian Flag Day to remember their ancestors who created the bicolor blue and red as a symbol of unity among all their Haitian descendants to fight colonialism and live forever free. Now, therefore, on behalf of us in the city of Bridgeport, please let's take a picture. Commemorate the Haitian American community and recognize your, it says there, but your exceptional contributions to the city, and you'll hereby proclaim Tuesday, May 18, 2021, as Haitian Flag Day here in the city. Yes. Yeah. And as much as we clap, I'm trying to not smile, even though we always want to smile in pictures, because we're remembering and Amen. Commemorating and bringing attention and awareness. Amen. That's what I want to hear. That's Amen. Right. Thank you, Mayor. Thank you. Y'all know what to do now. Yeah, Amen. Right. Without further ado, we introduce to you Dennis, Senator Dennis Bradley. Thank you. Thank you, guys. Thank you for everything you do for our community. I'd be remiss if I didn't say something that really comes from my heart, fully knowing the Haitian community and really considering everybody present here a brother and a sister. There's no greater symbol of Black liberation, of African liberation, possibly in the Western Hemisphere and throughout the world, than the Haitian flag. Amen. If you stop and think for a second, what the Haitians were able to do on the island of Hispaniola, they not only fought against the French and were able to, as slaves, without the help of Russia, without the help of England, without the help of Spain, without the help of the Dutch, without the help of anyone, a group of slaves brought by shackles onto an island were able to lift up their own flag and have independence. Yes. And they didn't stop there. Yes. Yes. They took on the Spanish. Yes. And fought the Spanish yes. all the way down to the Isla de los Monos. Yes. Yes. And were able to conquer the entire island. When you stop and think about the strength that required. Yes. No knowledge of geography, no arms being sold to them, no cannons being given to them, yes. everything with blood, sweat, and tears. Yes, yes. The very essence of what it is to be a Haitian is the very essence of what it is to be an American, yes. to be yes. a human yes. being, irregardless Amen. Of your color. Whether you're yes. white or you're black or you come from whatever part of the world you come from, the requirement to excel is to have fire in your belly. Yes. And there's yes. not one person with that flag who has come to this great land that doesn't have that fire in their belly. Yes. We are in your debt as a people, as a nation, regardless if you come from the African diaspora as we do or not, we are in the debt of the Haitians to show the world that yes, we can. Yes, we yes, can. Yes, we can. That flag is half-staff now, and we are in mourning, as our mayor has told us.
But we know that Haiti's in a sad day today, but it won't be sad forever. Yes. We know that Haiti's in a hardship today, but it won't be hard forever. Yes. Because we, the people, will demand greatness as we always have. Yes. God bless Haiti today and forever. God bless you all. God bless you. Thank you. Thank you, Senator. Thank you, Senator. Thank you, Senator. Thank you. Thank you. Yes. All right. Now, we'll ask different speakers now, Dion. I wanted to also share with you that this team of great professionals that come together to make this happen. So glad to see our attorney, Ren Gwaye, with us. Ren, raise your hand. Anna Kawuna, raise your hand. Yes, she's here. And also, Philip Burns, you're somewhere on the other side. Yeah, he's right here. A Haitian friend. Good. Hey, Phil. The members of the committee, can I ask you to come forth? Maybe we can take a shot of yes. Bon, mesdames, messieurs, nous retournons et nous pensons que nous avons enjoy toute information sur le côté de Bayon. On voit que nous bénéficions de lui. Et puis, un bagage très important que nous avons rappelé, c'est que le 28 mai, Mémorial, qui a fait un bouclier de l'an, il faut que nous-mêmes, dans la collectivité, qui a été mort dans la COVID, qui n'a pas fait un service honorable pour Mounsa, nous capables d'aller participer dans le mémorial qui est fait dans le Borough Hall, dans Brooklyn. Make sure que nous sommes là avec une photo de Mounsa pour nous capables. Non, et fais-moi. Remembering. Yeah, remembering, exactement. C'est un moment que nous allons essayer de reconnecter avec Mounsa. Pour une fois, pendant que nous avons honoré lui. Nous avons entré en communion ensemble avec Mouna, bien que nous n'avons pas vivant, mais nous sommes capables d'entrer en communion avec Mouna dans la cérémonie. Donc, qui s'en vient pour moi? Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et pour plaisir dans toute activité nous côté pour eux. Mais nous espérons surtout pour faire bien pour l'année prochaine, WAP là. Mesdames et Messieurs, c'est ça que nous avons pour aujourd'hui. Nous vous remercie pour. Fidélité ou merci pour l'accueil pour débat dans la caillou. Nous avons toujours respecté la caillou et nous avons toujours respecté la caillou. Donc, comme nous toujours disons, si vous avez n'importe quel commentaire que vous voulez faire, mais que assurez-vous que vous voulez de telle chose, il est bien moi-même ou bien Claude, nous sommes capables de brûler, ou bien même Eddie et caméraman, nous sommes capables de brûler pour nous faire n'importe quelle demande que nous gagnons, que ce soit pour nous demander pour saluer un monde qui a fait des fêtes ou bien pour. Présentons activité. Présentons activité, quelque chose ça lié à telle chose, c'est pas nous lié. On s'est bien avec lui. À bientôt.